Pourquoi dit-on que les ex reviennent toujours? Alors, c'est une phrase en reconquête amoureuse que l'on entend souvent. Même vous, quand vous m'avez en coaching, vous me demandez, James, est-ce que c'est vrai que les ex reviennent toujours? Alors, j'avais fait une vidéo sur les raisons qui peuvent pousser un ex à revenir. Il y a les bonnes et les mauvaises raisons. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, on va voir dans cette vidéo pourquoi on le dit et si c'est si vrai que cela. Bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en reconquête amoureuse. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi dit-on que les ex reviennent toujours. Alors, c'est vrai qu'on le dit souvent en reconquête amoureuse que les ex reviennent toujours à un moment donné. Alors déjà, quand on dit que les ex reviennent toujours, cela ne veut pas dire, et cela n'arrivera pas si vous pensez cela, qu'un ex va revenir un soir de pluie, taper à votre porte en vous disant « je me suis trompé, j'ai envie que l'on se remette ensemble ». Mais un ex va avoir tendance à revenir pour prendre la température. Soit pour savoir où est-ce que vous en êtes, parce que votre ex est réellement un peu perdu, parce qu'il y a un peu de manque, parce que votre ex ne sait pas où il en est de cette situation, soit c'est pour s'assurer que vous êtes toujours là, toujours à lui donner de l'attention, puisque votre ex, n'ayant pas refait sa vie, aura toujours besoin d'attention, que ce soit pour son pouvoir de séduction, ce n'est pas forcément de la manipulation. Mais c'est toujours important de savoir que la personne que l'on a quittée nous apporte toujours de l'attention, ou bien parce que vous montrez un petit détachement, un changement, et votre ex veut s'assurer que vous ne restez pas loin. C'est pour ça qu'il faut mettre en place les bonnes actions et notamment la prise de distance ou le silence radio. Il est extrêmement rare que l'on se sépare et que du jour au lendemain, on n'ait plus jamais de nouvelles de son ex. C'est pour ça qu'on dit qu'un ex revient toujours au contact. Car après l'annonce de la séparation, il va y avoir un petit flou. C'est très rare que l'on se quitte et que l'on ne se donne plus jamais une seule nouvelle. En tout cas, au moins pendant une petite période après la rupture. La deuxième chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'il y a une différence notamment entre les hommes et les femmes. Les hommes reviennent beaucoup plus fréquemment que les femmes vers leur ex. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, et notamment en raison de l'absence d'abondance chez les hommes et de l'absence de création de rancœur suite à la séparation, ce qui est moins vrai chez les femmes. Ce qui ne veut pas dire que les ex reviennent forcément pour des bonnes raisons. Donc là, c'est à vous de voir et d'identifier surtout les raisons du retour de cet ex. Est-ce que c'est juste pour vous garder sous le coude? Est-ce que c'est pour vous demander des services? Est-ce que c'est pour avoir votre attention? Etc. Il y a parfois des bonnes raisons, et là, c'est super pour votre reconquête amoureuse. Et il y a parfois des mauvaises raisons, et là, c'est à vous seul de juger de ce retour ou non de votre ex. En tout cas, votre ex ne reviendra jamais en vous disant « je m'excuse, je regrette la rupture amoureuse, reprends-moi ou refaisons une histoire ». Il va falloir enclencher un processus de reconquête amoureuse. Et bien souvent, ça va être au travers de votre changement. Si vous redevenez la meilleure opportunité pour votre ex sur son marché de séduction, forcément, votre ex reviendra. Et ça va se passer avec du temps. C'est ça que vous ne comprenez pas dans une rupture amoureuse. Car bien souvent, vous cherchez à récupérer votre ex le plus rapidement possible. Je le comprends tout à fait et c'est normal. Vous aimez cette personne, vous avez envie de vivre à nouveau avec lui ou avec elle, de revoir cette personne le plus souvent possible. Mais malheureusement, il va falloir du temps pour justement comprendre la séparation, changer, mais également être crédible dans votre changement. Si au bout de 15 jours, 3 semaines, vous revenez vers votre ex en faisant croire que vous avez changé, personne ne vous croira, et surtout pas votre ex qui vous connaît un minimum. Donc c'est pour ça que les ex reviennent parfois, mais il faut du temps.
parce que vous allez recréer de la complicité, parce que votre ex va avoir oublié vos bêtises, parce que votre ex va aussi avoir fait un chemin de vie sans vous. Et ce chemin de vie ne sera pas forcément plus rose que celui qu'il avait avec vous. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse. Quand vous me dites « mon ex est avec quelqu'un », ne croyez pas qu'il va y avoir un mariage dans les 6 mois. Bien souvent, les relations amoureuses aboutissent sur un échec. Donc, votre ex est célibataire, a le droit d'avoir quelqu'un et vous de même. Et c'est le temps parfois qu'il faut pour s'apercevoir et pour que vous puissiez changer et que votre ex puisse changer également afin de reconstruire une nouvelle histoire. Récupérer son ex, ce n'est pas avoir appuyé sur pause le temps de la séparation et se remettre en couple. C'est vraiment construire une nouvelle relation, construire une nouvelle complicité, comme un petit peu un nouveau départ. C'est pour ça que ça demande du temps, parce que votre ex vous connaît et donc vous partez sur la ligne de départ avec un petit handicap. Votre ex a essayé une relation avec vous et s'est aperçu que la relation avec vous ne donnait pas grand-chose ou en tout cas n'était pas assez épanouissante pour y rester. Donc vous comprenez bien que ce que vous allez devoir lui proposer sera autre chose que la précédente relation. Sinon votre ex ne reviendra pas. Donc prenez le temps de vous redécouvrir avec votre ex. Prenez le temps de vous reséduire à nouveau. Bien évidemment que les ex ne reviennent pas toujours. Ils reviennent souvent, mais pas toujours. Et encore une fois, si votre ex revient communiquer avec vous et que votre ex s'aperçoit que vous n'avez pas changé, votre ex repartira. Si votre ex s'aperçoit que vous êtes toujours en demande, votre ex repartira. Si votre ex s'aperçoit que vous le mettez toujours sur un piédestal, votre ex repartira. C'est quand on est joueur, quand on est complice, quand on rigole à nouveau, que l'ex peut pleinement revenir. Quand vous incarnez à nouveau la meilleure opportunité pour votre ex. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin, prenez une séance coaching. Le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James T.